Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir plusieurs nouveautés qui nous ont été transmises par notre partenaire Cybergun. Alors cela fait plusieurs semaines que nous attendions ces produits et maintenant qu'ils sont en notre possession, on va avoir du mal à les rendre. Cybergun a donc travaillé avec Colt pour nous proposer la gamme de Colt 1911 Rygun série CO2. Aujourd'hui, nous n'avons pas la totalité de la gamme de disponible, mais très prochainement, les autres modèles non présentés dans cette review le seront par la suite. Que contient le package? Vous trouverez la réplique accompagnée de son chargeur CO2, une clé BTR, un sachet de billes et sa notice d'utilisation. Cybergun nous proposera donc 4 modèles de réplique 1911, dont 2 que nous avons aujourd'hui sous la main. Détaillons donc ces deux modèles. Alors, la première version est le stainless, donnant tout de suite le ton sur l'attention apportée par Cybergun sur la conception et la création de cette gamme. Elle reçoit une finition Cerakote qui lui donne un look vraiment surprenant, ainsi que des gravures propres et soignées. On se rapproche vraiment du réel sur cette réplique. Alors la deuxième est la version Dual Tone, reçoit une robe noire et des polis très sexy qui également reçoit des marquages dignes de ce nom. On trouvera également en incrustation les deux autres modèles que nous aurons prochainement, la version M45A1 de couleur sand et la version Black Ned de couleur noire. Alors tous les modèles auront le même poids et taille qui sont de 976 grammes pour 22 cm. Découvrons l'extérieur plus en détail pour la version stainless. Elle est donc composée en majorité de métal, ce qui donne ce poids de 976 grammes. On découvre ensuite une culasse métal agressive par son coloris Cerakote gris, mais aussi par ses stries de préhension avant et arrière, permettant une prise en main et un rechargement plus agréable et efficace. Puis un canon externe fileté pour la pose d'un silencieux. Deux organes de visée en ABS équipés de points blancs rendant l'acquisition et la visée plus rapide. On peut voir que les gravures ont vraiment un réalisme optimum et travaillé. La frame et les aimants bas reçoivent le même coloris gris Cerakote. On découvre un rail Picatinny permettant d'y installer votre lampe ou laser, ainsi que des marquages airsoft blanc ou gris. Le loquet de déblocage et démontage culasse, le bouton d'éjection chargeur, la sûreté de culasse avec la présence d'un point rouge, la queue détente en métal perforé, sa sûreté de poignée qui épouse parfaitement la main. La crosse reçoit deux plaquettes imitation bois en plastique mais ne laissant apparaître aucune trace de moulage, ainsi qu'un anneau de dragon, bien pratique pour éviter de perdre votre réplique sur le terrain. Puis on termine par son chargeur métal CO2 17 billes mais qui pour moi s'adapte mieux à 16 billes.
Passons maintenant aux caractéristiques internes. Donc les 4 modèles de 1911 auront exactement le même interne, qui est un canon de 6,10 de diamètre, un nozzle prévu pour un fonctionnement au CO2, un canon externe métal et un système BAX, ou up-up pour les non-initiés à la marque, par molette. Pour une fois, je constate que l'interne ne baigne pas dans un excès de graisse, rendant la première utilisation chaotique. Passons maintenant au test chrony en bise 0,20. Cette réplique est donnée à 1,1 joule d'origine, donc environ 344 fps en bise 0,20, et cela selon la température extérieure. Passons au test sur cible à une distance de 10 mètres et 20 mètres. Donc on passe au test avec le dual tone à 10 mètres en bise 0,25. Donc il caille, grave. On a réglé au mieux le hop-up. Alors on a fait pas mal de tests hein, quand même pour régler le hop-up. La petite molette elle est difficile à prendre en main. J'ai pas l'habitude de me plaindre sur un hop-up, mais celui-là il m'a cassé un peu les pieds. Donc on va passer tout de suite au test à 10 mètres et puis voir un petit peu le résultat de la première version. On passera à la stainless juste après. Donc c'est mon assistant qui tient le micro. C'est parti. Donc là, la précision à 10 mètres, elle est très correcte pour un canon en 6,10. Donc on passe au test à 10 mètres pour la version stainless. Donc toujours avec le réglage au pop en bise 0,25. On a laissé l'ancienne fiche de la dual tone. Mais logiquement, on devrait quasiment avoir des résultats similaires à la version dual tone. Donc on y va tout de suite. Donc là, le résultat, il est quasiment identique au dual tone. La précision, franchement, pour un 6,10, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, on est à 10 mètres, on n'est pas à 20 mètres, à 30 mètres. Bon, c'est une réplique de pont, hein, c'est pas un fusil d'assaut ou autre. Donc le résultat est plutôt agréable à 10 mètres. Donc on va passer au test à 20 mètres. Donc on passe tout de suite au test à 20 mètres avec le stainless, toujours en bise 0,25, donc on y va tout de suite. Donc là le test à 20 mètres, on touche bien la cible. Bon, j'ai quelques billes qui partent un petit peu à droite et à gauche. Je pense qu'un petit nettoyage du canon, puisqu'il est en sortie de boîte comme ça, il se peut qu'ils soient un petit peu gras. Donc faudra peut-être voir à le nettoyer un petit peu. Mais bon, sinon on a une bonne précision, c'est une réplique de points. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la version dual tone. Donc on passe au test à 20 mètres avec la version dual tone. Donc toujours en bise 0,25, on y va tout de suite. C'est normal, mon assistant me dit il n'y a pas d'écran, mais c'est normal, j'ai coupé l'écran. C'est pour éviter de différer. Allez, on est parti.
Donc là, on teste à 20 mètres, on touche systématiquement la cible, voire même la silhouette. J'ai pu voir qu'il y a peut-être une bille qui est passée à côté, qui est partie dans la partie blanche, mais la totalité des billes, pour moi, est arrivée dans la silhouette noire, donc c'est un très bon résultat à 20 mètres. Cybergun ne donne aucune information sur la portée max de cette réplique. Nous allons donc réaliser plusieurs tests de tir à différentes distances pour connaître ses limites et vous montrer celles qui donnent les meilleurs résultats. Donc, on passe au test à 30 mètres avec la version stainless, toujours en bise 0,25 sur mannequin. On y va tout de suite. Vraiment en limite de sparklet, donc là on a fait à peu près 2 chargeurs et demi. Alors comme la température est vachement basse, ça joue énormément sur la capacité de la sparklet. Je pense qu'en été on devrait tourner aux environs des 3 chargeurs complets, ce qui sera déjà pas mal pour une réplique de points. Donc par contre là au niveau précision, on touche à 30 mètres, donc je pense que ça sera une des distances max au niveau précision. Donc on va passer maintenant sur la version dual tone. Donc on passe au deuxième test, mais avec la version dual tone, toujours en bise 0,25, à 30 mètres sur mannequin. Donc on va voir tout de suite si on a la même précision qu'avec le stainless. Donc là, on a un petit souci de hop-up, parce que j'ai une ou deux billes qui ont monté, qui n'avaient pas du tout la même trajectoire que sur la version stainless. Donc est-ce que c'est dû au froid assez important et du coup le joint a tendance à se refroidir très vite et donc du coup donne pas du tout la même trajectoire et le même réglage hop-up à chaque fois. Mais on atteint bien les 30 mètres sur mannequin avec cette réplique, donc c'est un très bon résultat pour une réplique de points. Donc on va vous montrer un petit peu le kick qu'a cette réplique. Donc que ce soit sur la version stainless ou dual tone, le kick sera identique. Mais franchement, il envoie du steak. C'est assez impressionnant. J'adore les répliques qui ont du kick. Et là, je suis servi. On y va tout de suite. Donc là, la sparklet est en train de se vider, donc ça tape beaucoup moins fort. Mais franchement, c'est super agréable. Le kick est impressionnant. Tous les amateurs diront c'est top. Voilà. Passons au point positif et négatif. En positif, une nouvelle gamme se rapprochant de la réalité, donc permettant aux puristes 1911 d'être comblés. 4 modèles différents en extérieur, mais avec un interne identique, permettant de trouver facilement des pièces. Des looks agressifs, dont une version stainless qui me rend fou. En négatif, un canon interne de 6-10 qui peut handicaper les performances de cette réplique, des plaquettes en plastique gâchant un peu le travail visuel réalisé. Donc là, on a fait le plein des chargeurs, des 1911, et on se rend compte que, donc on a mis 16 billes à l'intérieur, et le souci qu'on rencontre, c'est que la petite tétine qui vient pousser les billes, et elle remonte un peu, elle dépasse un peu du chargeur, de là, et ça risque de crocher quand vous allez engager le chargeur dans la réplique. Donc avoir un petit point à voir chez Cybergun pour faire le changement de la petite tétine, parce qu'à mon avis ça risque de poser problème à pas mal de joueurs, sachant que le ressort est très dur. Là j'ai des ongles coupés propres, quand je tire dessus je me défonce les doigts, donc ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est pareil sur l'autre version, hein, c'est la même chose. Donc voir peut-être à modifier la tétine. Voici la review des Colt 1911 Raygun série CO2 et commercialisée par Cybergun terminée. Je tiens à remercier BA pour m'avoir permis de tester ces produits. N'oubliez pas que Cybergun garantit vos répliques 5 ans.
Alors au moindre souci, contactez votre shop qui transmettra votre demande au SAV. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.